Au Sénégal, la profession d'avocat est la première profession libérale organisée en forme statutaire au lendemain de l'indépendance. Le barreau près la Cour d'appel du Sénégal a été créé par l'ordonnance numéro 60-309 du 3 septembre 1960, après l'éclatement de la Fédération du Mali et la proclamation de l'indépendance intervenue dans la nuit du 19 au 20 août 1960. Les avocats ont été de tous les combats pour la liberté, le respect des droits humains, la démocratie et le développement. Les anciens se sont battus pour que leur barreau devienne libre et indépendant et qu'il joue pleinement son rôle dans la nation. Leur histoire, parce qu'elle est indissociable de celle de notre pays, doit être connue et leur contribution reconnue. Nous sommes un barreau qui est né avec l'indépendance, 1960. Aujourd'hui, on est un barreau jeune et nous avons des pionniers qui ont énormément œuvré en faveur du barreau et qui l'ont vraiment aujourd'hui hissé au niveau où il se trouve. Malheureusement, entre ces pionniers que nous avons eu le privilège de rencontrer, de connaître quand nous arrivions en 82, et ceux qui sont arrivés bien plus tard, il n'y a pas de lien. Parfois, vous dites Fadilou, personne ne connaît. Vous dites Boubacar Gueye, personne ne connaît. Cela m'a poussé à vraiment essayer d'imaginer quelque chose qui pouvait être un lien d'interconnexion entre ces différentes générations. Bien que 1960 soit un repère important, l'histoire des avocats débute avant l'indépendance et la création du barreau. Cette histoire est également celle de notre pays. Pour comprendre quelle a été la contribution des avocats, il faut remonter le temps jusqu'au 19e siècle. Le premier épisode de cette série documentaire commence en 1859, année de la promulgation par le gouverneur de Saint-Louis, le général Louis Federbe, de l'arrêté numéro 26 définissant la profession de conseil commissionné. Il s'arrête en 1960. Qui sont les premiers avocats alors appelés conseils commissionnés? Dans quelles conditions exercent-ils leur métier et sous quelle autorité? Pourquoi plusieurs parmi ces pionniers deviennent-ils des hommes politiques de premier plan? C'est ce que nous découvrirons. Le 12e épisode couvre la période allant de 1960 à 1984. 1960 est l'année de la création du barreau. 1984, celle du vote de la loi 8409 du 4 janvier portant création de l'Ordre des avocats du Sénégal. Pour les avocats, ce sont 24 années d'engagement continu en faveur de l'amélioration de leurs conditions d'exercice ainsi que de la consolidation de l'état de droit et de la démocratie. Le troisième épisode porte sur l'évolution de la profession d'avocat au Sénégal. Dans un monde de plus en plus ouvert, où tout va très vite, la concurrence est encore plus rude. Les avocats, toutes générations confondues, font face à des défis aussi nombreux que variés. Nous qui travaillons au sein de l'ordre depuis des années, on sait par expérience que 15, 20 ans plus loin, le barreau existait, mais n'avait pas trop de visibilité sur le plan international. Donc il y a eu vraiment des changements profonds, aussi bien dans la façon de travailler de l'ordre que dans la façon d'exercer le métier d'avocat. Donc c'est intéressant dans un film comme ça de voir les différents tournants, mais aussi pour arriver à cette question cruciale, l'exercice de la profession aujourd'hui. Est-ce que les avocats sénégalais, les cabinets d'avocats sénégalais sont-ils à la hauteur des exigences de notre temps? L'histoire des avocats du Sénégal débute un siècle avant l'indépendance. Le 5 mars 1859, le gouverneur de Saint-Louis, le général Louis Federbe, promulgue l'arrêté numéro 26 relatif au conseil commissionné. Des conseils appelés défenseurs à partir de 1901, puis avocats défenseurs de 1905 à 1960. Le terme avocat est adopté après l'accession à la souveraineté nationale et la création du premier barreau. L'arrêté Federbe définit la profession. Au moment de sa promulgation, plusieurs textes organisant la justice existent déjà. Le premier est une lettre patente du 7 février 1726.
Les lettres patentes étant, dans le domaine des actes législatifs, des textes par lesquels le roi de France rend public et opposable à tous un droit, un état, un statut ou un privilège. Le premier texte qui a existé sur l'organisation judiciaire au Sénégal, c'est une lettre patente de 1726, qui donc quasiment un siècle au préalable, qui donnait pouvoir au directeur de la Compagnie des Indes d'organiser la justice selon un certain nombre de normes qui étaient posées. Et c'est ce système qui a prévalu jusqu'à ce qu'en 1822, alors que l'influence de la France et en particulier de l'État français et non plus de la Compagnie des Indes était beaucoup plus marquée au Sénégal, on a organisé une justice qui puisse être à peu près dans le sillage de la législation métropolitaine. L'ordonnance royale du 7 janvier 1822, qui a valeur de loi, apporte des changements importants dans l'organisation judiciaire du Sénégal. Elle crée un tribunal de première instance à Saint-Louis, en plus de celui de Gorée, et introduit les premiers magistrats, quelques années avant l'entrée en vigueur du Code Napoléon. Le premier changement majeur, c'est que vous introduisez enfin des magistrats professionnels. Jusque-là, c'était plus des arbitrages qui avaient lieu avec des citoyens notables de la ville, avec certains officiers de l'armée, des administrateurs, etc., mais pas de vrais juristes. Le seul juriste qu'il y avait, si on peut appeler ça ainsi, était un greffier notaire qui officiait au niveau du tribunal, mais c'est tout. À Saint-Louis, en tant que tel, dans les années qui ont suivi, le système colonial fait des pas en avant. En 1833-1830, ils imposent au Sénégal le code civil napoléonien aux populations libres de Saint-Louis et de Gorée au mois de novembre de l'année 1830. L'apparition de ce code civil à des populations noires dans cette zone qui entrait dans le processus de redéploiement de la France à l'échelle planétaire, puisque dans les Antilles et dans une partie de l'océan Indien, des démarches identiques avaient été faites et s'inscrivaient dans un processus de colonisation rampante. À la suite de cela, en 1833, une loi du 24 avril a donné aux ressortissants de Saint-Louis et de Gorée la nationalité française. Le 7 septembre 1840, une ordonnance royale concernant le gouvernement du Sénégal et ses dépendances définit les institutions. C'est dans cette charte-là que sont définies les institutions qui vont gouverner le pays. Un gouverneur, avec des responsabilités bien précises au plan à la fois interne et externe, un procureur pour ce qui concerne la justice, une armée avec des missions bien déterminées, une organisation économique, etc., etc. Et cette ordonnance du 7 septembre 1840 va avoir pour conséquence la création d'un conseil général au Sénégal et la création d'un conseil d'arrondissement à Gorée. 7 ans plus tard, l'ordonnance royale du 4 décembre 1847 concernant l'organisation judiciaire vient préciser les dispositions du texte de 1822. On est dans une évolution historique qu'on ne peut pas négliger. Pour comprendre les données de la chose, nous avons progressivement une influence grandissante de l'État français sous ses formes différentes et donc la mise en place d'une structuration de l'administration et puisque l'État français est par définition très centralisateur, une tentative d'instituer progressivement un système qui soit comparable à celui de la métropole, tout en ayant conscience qu'il n'est pas possible de faire exactement la même chose. Donc c'est un peu dans cette voie-là que l'on s'achemine, et les différences entre la loi 1822 et celle de 1847 sont simplement d'ordre technique, en institutionnalisant un peu plus les choses, en créant de nouvelles juridictions, en formalisant un peu plus les formations nécessaires pour pouvoir exercer, etc. L'appellation « conseil commissionné » apparaît pour la première fois dans l'ordonnance royale du 4 décembre 1847. L'article 17 dispose « Il sera créé, près les tribunaux de la colonie, des conseils commissionnés dont le ministère sera entièrement facultatif de la part des parties. »
Ces conseils interviennent dans des domaines divers, mais ils ne sont pas libres. Le serment que prêtaient ces conseils commissionnés était quand même très particulier dans la mesure où il les soumettait à une obéissance absolue vis-à-vis des autorités de tutelle. Et ne perdons pas de vue que jusqu'à 1960, les avocats, enfin les conseils commissionnés et ensuite avocats défenseurs avaient été sous l'autorité du procureur général près de la cour d'appel et qu'ils étaient officiers ministériels, c'est-à-dire qu'ils étaient nommés. Vous n'aviez pas un barreau autonome qui intégrait qui il voulait en fonction de critères légaux à respecter, tandis que là vous aviez vraiment une appréciation au cas par cas et il fallait plaire au pouvoir pour pouvoir obtenir, une accréditation comme conseil commissionné, étant entendu que la législation, après la première législation, prévoyait qu'il pouvait y avoir au maximum 5 conseils commissionnés sur tout le territoire de la tutelle française de l'époque. Le nombre de conseils commissionnés et les critères de nomination sont précisés dans l'arrêté Federbe de 1859. Pour être nommé, les candidats doivent avoir 25 ans accomplis et connaître le droit. Ceux qui ne sont pas licenciés en droit sont soumis à un examen public sur les lois et ordonnances en vigueur dans la colonie. Examen qui se déroule devant un magistrat désigné par le gouverneur. En outre, les postulants doivent être citoyens français, naturalisés français, nés de père français ou avoir servi dans l'armée française. Ces conseils commissionnés exercent leur métier dans un environnement tout à fait singulier. Nous sommes dans un contexte qui juridiquement était assez chargé, avec beaucoup de problèmes, des catégories sociales différenciées, les différentes populations étant référenciées à des droits différents, les uns étant des citoyens français, les autres étant des sujets français. Nous sommes dans une société plurielle où le droit n'est pas le même et qui obéissent à une même autorité qui est celle de la France. Alors cela crée des problèmes, les problèmes de mariage, les problèmes de divorce, les problèmes de testament, d'héritage par conséquent, les problèmes de donation, les problèmes des activités commerciales, des transactions de toute nature, qui nécessitaient chaque fois qu'il y ait une intervention d'une autorité administrative, judiciaire en l'occurrence, pour trancher ces différents débats. Donc, d'une part, vous avez depuis 1822 une justice française, avec disons, les tribunaux français, le tribunal de première instance, etc. Et puis à côté, quand on a voulu instituer le code civil pour les musulmans ont rechigné en disant « mais nous, nous voulons garder nos us et coutumes ». Bien sûr, nous sommes citoyens, surtout qu'il y a eu la loi de 1833, nous sommes citoyens, mais nous voulons rester musulmans, polygames, gérant nos successions, disons, à la manière musulmane. Et c'est ainsi que donc, en 1857, Federbe a créé le tribunal musulman. Ce qui fait que, avant la création de l'AOF, vous avez deux juridictions. Vous avez une juridiction française, et à l'intérieur de cette juridiction française, puisque là aussi la France n'a pas voulu laisser la liberté totale aux Sénégalais, on a dit oui, on vous donne un tribunal musulman, mais qui va juger en premier appel, en premier ressort, si vous voulez, et que l'appel va se faire devant la cour d'appel de l'AOF. Donc de la cour d'appel du Sénégal, plus tard devenue cour d'appel de la OEF. Donc on peut considérer que jusqu'en 1887-1895, ce sont ces deux justices-là qui ont fonctionné. Ce qui est certain, c'est que dès le départ, la France coloniale, tout en souhaitant rapprocher l'organisation judiciaire dans les colonies de l'organisation judiciaire dans la métropole, tenait quand même à ce que ça ne soit pas organisé de la même manière. Et la meilleure preuve en est que donc il n'y a pas eu de barreaux et d'avocats à la cour comme il y en avait pourtant en France à la même époque, qu'il y avait cette soumission des conseils commissionnés à l'autorité et que justement ils portaient une appellation qui était complètement différente, qui n'existait pas dans la métropole et qui n'a existé que dans l'empire colonial français. Retracer le parcours des premiers conseils commissionnés est difficile. Ni les archives nationales du Sénégal, ni l'ordre des avocats du Sénégal ne possèdent des dossiers les concernant. Néanmoins, les Crespins, des métis originaires de Saint-Louis, conservent des documents dans lesquels on retrouve Jean-Jacques Crespin, décédé en 1895 à l'âge de 57 ans,
quelques mois avant la création de l'AOF, Afrique occidentale française, intervenue le 16 juin 1895. Selon les nécrologies parues dans La Dépêche coloniale et dans L'Éclair, deux publications de l'époque, il exerce le métier de conseil commissionné à partir de 1872, mais sa nomination daterait de 1875. Jean-Jacques Crespin est surtout connu pour avoir été maire de Saint-Louis en 1890 et en 1895. En 1901, trois métis deviennent avocats à Saint-Louis. Georges et Germain Crespin, les fils de Jean-Jacques, et Louis Huchard. Les premiers avocats natifs du Sénégal sont issus des familles métisses apparues après l'installation des Français, qui débute en 1659. Très tôt, certains se distinguent à la barre comme en politique. Nous avions des hommes de droit qui avaient un courage exceptionnel. Quelqu'un comme Georges Crespin était non seulement d'une éloquence volcanique, mais il avait également un courage de ses idées exceptionnelles, n'hésitant pas à dire au Conseil général, vous accusez les musulmans d'être des polygames parce qu'ils ont deux, trois ou quatre femmes, mais à la vérité, dans votre propre pays, en France, vos femmes sont ont des amants et vous-même, vous avez plusieurs maîtresses. N'est-ce pas? Est-ce de le dire sur la tribune du Conseil général? Cela veut dire que ces propos devaient être retranscrits tels quels dans le procès-verbal de la délibération de la journée et c'est resté dans les archives jusqu'à nos jours. Vous avez François Carpeau qui était député à l'Assemblée nationale et qui a été battu lorsqu'il a voulu se faire renouveler dans son mandat, qui a été battu par Blaise Diagne. Sauf que l'histoire, qui est très injuste, n'a retenu que Blaise Diagne et a oublié François Carpeau. Mais on pourrait revoir la chose autrement en rappelant que Blaise Diagne a fait une politique très assimilationniste, ce qui lui a valu la reconnaissance de la France et sa nomination comme sous-secrétaire d'État aux colonies, etc. etc. Peut-être que Carpeau était plus indépendant. François Carpeau, évidemment, faisait partie de cette grande communauté métisse qui, du point de vue du métissage, du mariage à la mode du pays, était quelque part du côté des Français au sens où, effectivement, ils obtenaient la nationalité française, la citoyenneté, les enfants étaient envoyés en France. Et évidemment, c'est vrai que cette communauté a toujours cherché à également s'inscrire dans un processus où, effectivement, les Européens quitteraient la colonie et autres. Et donc, quelque part, ce qu'il faut éviter, c'est de créer des communautés qui sont antagoniques par leurs intérêts politiques, par leurs intérêts économiques, par leurs relations sociales. Mais ce qui importe, c'est de voir comment effectivement les mulâtres et les noirs cherchaient un peu à mettre fin à ce processus de domination française. L'histoire fait peu cas des avocats natifs du Sénégal qui exercent leur métier durant la colonisation et s'engagent en politique avant Maître Lamine Gueye, docteur en droit, nommé avocat défenseur le 1er février 1921. Lamine Gueye est considéré comme étant le premier avocat sénégalais. Mais Maître François-Xavier Benga, un Libou né à Dakar en 1885, porte la robe d'avocat dès 1913. François-Xavier Benga est né à Dakar le 27 août 1885. Son papa, c'était Pierre-Marie Benga, qui effectivement était receveur de l'enregistrement et conservateur de la propriété foncière. Alors François-Xavier, il est issu d'une famille Libou, large, il avait 10 frères et sœurs et il étudie d'abord à Dakar, le cycle primaire, le cycle secondaire également et à partir de 1901, il rejoint la France, Montpellier, où son papa était établi. Là, il y fait ses études de droit. Il obtient d'abord son bac en 1905, sa licence de droit en 1909 et après, il remonte à Paris pour faire un stage à l'étude de maître Étienne Olivier en 1912 et prête serment devant la cour d'appel de Paris le 17 juin 1913. À ce moment, qu'est-ce qui se passe? C'est la guerre. Auparavant, il s'est marié avec Yvonne Patrigeon, une Castelroussine, ressortissant donc de Châteauroux, et il est mobilisé pendant la Première Guerre mondiale où il participe à la guerre, d'abord sur le front français et après sur le front d'Orient, précisément en Serbie et en Grèce. Alors, qu'est-ce qui se passe après à la fin de la guerre, il est démobilisé, il retourne à Châteauroux où il s'inscrit au barreau et donc continue son activité, sa pratique d'avocat jusqu'à devenir bâtonnier de l'ordre des avocats
en 1936 et en 1937. Maître François-Xavier Benga, comme beaucoup d'avocats, investit la scène politique. Le 26 avril 1936, candidat à la députation, il s'incline face à Galandou Diouf, réélu député du Sénégal, avec 8466 voix. Maître Lamine Gueye, également candidat, arrive en deuxième position avec 5145 voix. Benga est pénalisé par sa longue absence du pays. Il comptabilise 86 bulletins. Les gens le considéraient comme un libre, surtout les gens de Dakar, mais disaient que puisqu'il n'avait vécu et servi qu'en France, on ne pouvait pas vraiment porter les suffrages sur lui. En 1936, les avocats ne sont pas à leur première tentative de remporter les suffrages des électeurs. Déjà, entre 1871 et 1898, trois métis de Saint-Louis se prêtent à l'exercice. Jean-Jacques Crespin, sans succès, en 1871. Alfred Gasconi, en 1879, est élu député et le reste jusqu'en 1889. François Carpeau, sans succès, en 1898. Il sera député plus tard, de 1902 à 1910. En 1914, François Carpeau est battu par Blaise Diagne, premier noir élu député du Sénégal. On note la participation à cette élection à la députation de l'avocat français Henri Einberger. 10 ans plus tard, en 1924, l'avoué français Paul Defer est à son tour battu par Blaise Diagne, réélu député pour la troisième fois consécutive. Paul Defer est le père de Gaston Defer, ministre de la France d'Outre-mer, dont la loi cadre du 23 juin 1956, ouvrant la voie à la décolonisation, porte le nom. Au Sénégal, comme ailleurs, les avocats engagés en politique sont nombreux, et ce n'est pas le fait du hasard. Au Sénégal, les avocats ont été pratiquement les fers de lance de la lutte pour l'égalité des droits entre les citoyens français et les autochtones. Ça a démarré donc au niveau des 4 communes du Sénégal, que sont donc Saint-Louis, Gorée, Rufusque, Dakar. Et après cela, ils ont continué à engager, disons, cette lutte pour l'égalité et également cette lutte pour la reconnaissance des droits des autochtones, des indigènes comme on les appelait à l'époque, et surtout de lutter contre les excès de l'administration coloniale. Les avocats travaillant sur le droit, évidemment, sont mieux fondés que n'importe qui, à savoir si l'état dans lequel se trouve le pays, si le statut des populations du pays, si les lois auxquelles sont référenciés les délits et les crimes qui sont faits sont conformes à ce qu'on peut considérer comme étant la justice ou ne sont pas conformes à la justice. De par leur métier, ils se défendent toujours des cas devant le prétoire. Très tôt, ils sont sensibilisés à la justice, à l'injustice, à ce qui doit être ce qu'on peut revendiquer, à ce qu'on ne peut pas revendiquer, à la façon dont le système colonial s'applique, au le contenu des lois coloniales, aux visées définies par les administrateurs coloniaux, ainsi que les ministres français. Et très tôt, ils ont conscience de ce qui va et de ce qui ne va pas. Avant 1960, plusieurs avocats animent la vie politique sénégalaise. Maître Lamine Gueye entre en scène en 1912, année de la création à Saint-Louis du Mouvement des Jeunes Sénégalais, une association politique qui voit le jour à un moment où les partis sont interdits. Très vite, il polarise l'attention. Il a été le leader de la vie politique sénégalaise avant Léopold Sédar Senghor. Et c'est lui-même qui a été chercher Léopold Sédar Senghor au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, qu'il a présenté aux populations dans le cadre du parti SFIO, dont il était le représentant ici à Dakar, et qui en a fait son adjoint. Ils ont ensemble fait cause commune pour obtenir leur élection avant de se séparer en 1952, n'est-ce pas, date à partir de laquelle Senghor, après avoir créé le BDS et s'être appuyé sur le mouvement des cheminots qui aurait éclaté entre 1947 et 1948, va maintenant prendre son envol et puis occuper le devant de la scène politique jusqu'à son départ en 1980. Plusieurs lois françaises ont porté son nom, dont celle qui a donné la nationalité française à tous les originaires de l'Afrique occidentale française au moment de, juste après la Deuxième Guerre mondiale. Lamine Gueye, qui était le challenger de Senghor au moment de l'indépendance en 1960, a donc été un personnage d'une dimension tout à fait exceptionnelle que peu d'autres ont eu. Je me souviens de Lamine Gueye participant à une séance de prière en Inde. C'était impensable. Je pense que le candidat député, avocat, il était là, il est arrivé en campagne au moment où on allait à la prière du vendredi. Eh bien non, il a
il s'est déchaussé, il a prié avec tout le monde et puis ensuite il a repris sa campagne. Et ça, je pense que ça frappe très fort, disons, l'imaginaire collectif. À cette période, d'autres avocats participent à la vie politique sénégalaise. Parmi eux, Léon Boissier-Palin, né au Dahomey, actuel Bénin, membre fondateur du BDS, Bloc démocratique sénégalais de Léopold Sédar Senghor, il est nommé ministre de l'économie générale chargé des relations internationales dans le gouvernement du Sénégal du 20 mai 1957. Gabriel Darboussier, originaire du Soudan français, actuel Mali, membre fondateur du RDA, Rassemblement démocratique africain de Félix Houphouët-Boigny, il sera en 1960 le premier ministre de la justice du Sénégal indépendant. Ces deux avocats ont également été présidents du Grand Conseil de l'AOF. Ils ont été de grands Africains qui ont eu un rôle à jouer extrêmement important dans l'émancipation du continent. Gabriel Darboussier était un grand tribun, un homme doué d'une capacité d'analyse et de réflexion exceptionnelle. Il a joué dans le RDA un rôle majeur et a permis de faire de ce parti d'émancipation africaine un parti de lutte, un parti de progrès qui a permis à l'Afrique d'accélérer sa marche vers l'indépendance. Léon Boissier-Palin a joué à peu près le même rôle ici au niveau du Sénégal. Il a été un des compagnons de Senghor, a participé à toutes les luttes pour l'émancipation des colonies africaines, n'est-ce pas, dans les moments difficiles, et a continué de jouer ce rôle jusqu'à sa mort. Le Saint-Louisien maître André Guyabert, nommé avocat défenseur en 1946 et qui devient en 1960 le premier ambassadeur du Sénégal en France, est également bien connu avant l'indépendance. Comme son confrère Gabriel Darboussier, il fait partie des fondateurs du BDS. Maître André Guyabert a eu à exercer, son métier d'avocat à la fin de la guerre de 1945. Et à ce titre, il a eu à défendre surtout les cheminots lors de la grève de 1947-48. N'est-ce pas ? Et cet engagement-là qu'il a fait connaître du grand public. Parmi les avocats qui font vibrer la scène politique durant cette période précédant l'indépendance du Sénégal, il y a également Maître Valdiodio Ndiaye. Maître Valdiodio Ndiaye, qui est rentré donc au début des années 50 au Sénégal avec un doctorat en droit. Et à l'époque, on mettait toujours avocat, défenseur, docteur en droit en général, a eu tout de suite à s'engager politiquement aux côtés de Senghor dans le BDS. Donc, c'était quelqu'un qui faisait partie de l'aile dirigeante, n'est-ce pas, de ce parti, dont la montée en puissance datait de 1951, vraiment qui a raflé pratiquement toutes les élections jusqu'en 1956, date de sa fusion avec d'autres forces politiques pour constituer le BPS et plus tard l'UPS. Donc naturellement, il a fait partie du premier gouvernement sénégalais constitué en mai 1957, n'est-ce pas, où il a occupé donc le poste de ministre de l'Intérieur dès le départ. Pour lui, c'était quelqu'un de très patriote et très pragmatique aussi. Donc lui, son idéal, c'était de participer au développement du pays. Et il pensait que là où il était, il pouvait le faire. Il pouvait le faire et il était très très pragmatique parce que bon, il allait voir ce qui se faisait de mieux ailleurs. Lui, il avait la passion de l'agriculture. Et j'ai vu beaucoup de. Il a beaucoup raconté ses séjours en Israël pour voir un peu les méthodes d'irrigation. Ça le passionnait pas mal. Et ensuite, il était assez panafricaniste. Il estimait qu'on ne pouvait pas être indépendant politiquement et économiquement si jamais on n'allait pas à l'indépendance dans des regroupements. Avant de devenir avocat défenseur, Valdiodio Ndiaye exerce en qualité de clerc chez Maître Henri Carrier, avoué à Montpellier. En France, jusqu'en janvier 2012, les avoués, qui étaient des officiers ministériels, avaient le monopole de la représentation des partis devant la cour d'appel. Valdiodio Ndiaye fait son stage d'avocat, d'abord à Dakar chez Maître Léon Boissier-Palin, puis à Kaolack chez Maître Souley Diagne. C'est dans cette ville qu'il ouvre son cabinet en 1951, après avoir obtenu son doctorat en droit à l'Université de Montpellier. Les avocats sont peu nombreux hors de Dakar et de Saint-Louis. Dans plusieurs zones, les droits des populations sont défendus par des agents d'affaires. L'homme politique et premier adjoint au maire administrateur de Kaolack, Ibrahima Seydou Ndao, est sans aucun doute l'un des plus connus. Il faut se replacer dans le Sénégal de cette époque de l'immédiat après Première Guerre mondiale, où le pays était divisé en
pratiquement deux entités. Il y a ce qu'on appelait les ressortissants des quatre communes qui étaient Saint-Louis, Gorée, Rufisque et Dakar, et les ressortissants des pays de protectorat. Les pays de protectorat sont commencés depuis Thiès, Durbel, Kaolack, etc. Et dans ces pays-là, en fait, dans ces zones, on considérait qu'il n'y avait pas, disons, de citoyens français, au sens juridique du terme, et il y avait deux juridictions, le tribunal indigène et le tribunal, disons, de droit commun, que l'on connaît donc avec le droit français. Et pour eux, les avocats, donc, étaient pratiquement absents dans des zones comme Kaolack. Et il y a eu une fonction qui a fait son apparition qu'on appelle agent d'affaires. Et ces agents d'affaires jouaient un rôle pratiquement d'avocats, de défenseurs des indigènes, des justiciables, et bien sûr d'intermédiaires aussi avec l'administration et pour les, surtout les démarches administratives. Ibrahim Seydou Ndaw, qui avait fait la Première Guerre mondiale, donc en revenant au Sénégal, s'était installé donc à Kaolack comme agent d'affaires, après avoir été traitant bien sûr. Et à ce titre, il a pu vraiment avoir une notoriété extraordinaire en défendant à la fois les populations, contre l'administration coloniale, mais surtout contre les chefs de canton, les policiers, les gendarmes, enfin toutes les autorités qui étaient dépositaires d'un pouvoir de l'administration coloniale. Et c'est à ce titre donc qu'Ibrahim Seydou Ndaw a eu à faire même relever des agents de l'administration coloniale, rapatriés immédiatement, des Français qui étaient là, dans Kaolack, dans Kafrine, enfin dans toute cette zone-là du Sine Saloum. On les appelait les avocats en caftan, pourquoi? Parce qu'ils ne mettaient pas de robe noire, ils étaient habillés en caftan et ils faisaient les mêmes effets de manche. C'est donc dans ce contexte que Maître Valdio Diongaye commence à exercer comme avocat défenseur, avant que la politique ne prenne le dessus sur son métier. Je crois qu'il a quand même privilégié au départ sa carrière professionnelle. Parce qu'il était jeune, il fallait qu'il gagne sa vie, il fallait qu'il entretienne déjà une famille un peu nombreuse, avant de privilégier sa carrière politique. Mais il a réussi à mener les deux de front parce que c'était un gros travailleur. Il avait très très bien organisé et je crois que ça n'a pas posé de problème particulier. Que de faire les deux, d'être à la fois un homme politique et un avocat. Avant 1960, l'engagement politique de Valdio Diongaye lui donne une certaine notoriété. Son discours du 26 août 1958, face au général de Gaulle à la place Protais, est un des épisodes les plus connus. Ce jour-là, en sa qualité de ministre de l'Intérieur du gouvernement du Sénégal, il assure l'intérim de Mamadou Dia, le président du Conseil du gouvernement du Sénégal, en cure en Suisse. Après le sénateur, maire de Dakar, Maître Lamine Gueye, qui prononce le discours de bienvenue, il prend la parole et demande l'indépendance nationale. Monsieur Valdio Diongaye, je le rappelle, ministre de l'Intérieur et de l'Information, parle ici au nom de Monsieur Mamadou Dia, président du Conseil de gouvernement du Sénégal. Dans un mois, le suffrage populaire déterminera l'avenir des rapports franco-africains. Nous disons indépendance et nous disons ensuite unité africaine. Si l'indépendance que nous voulons n'est pas la sécession, elle n'est pas davantage l'indépendance dans le cadre de chaque territoire. Nous définirons avec les autres territoires de la Fédération une position commune. Et en fait, le discours, l'origine du discours, il date du mois d'avant, en gros, parce que le discours, c'était le 26 août 1958. Et le 25 juillet 1958, c'était tenu à Cotonou, la réunion du PRA, c'est-à-dire le parti du Rassemblement africain. Parce que l'UPS, l'Union progressiste sénégalaise, était membre du PRA. Et les pays devaient s'entendre sur la teneur de leur discours face au général de Gaulle. Est-ce qu'on allait voter pour la communauté française et avec une indépendance progressive, comme le souhaitaient le général de Gaulle et Senghor, ou est-ce qu'au contraire, on allait voter l'indépendance immédiate? C'était ça qui s'était décidé. Et finalement, la motion de Senghor avait été mise en minorité et le PRA a décidé d'aller à l'indépendance immédiatement. Donc c'est à partir de là qu'on peut penser que naturellement on allait demander l'indépendance au général de Gaulle. Quelques mois plus tard, plusieurs avocats participent à la création de la Fédération du Mali. À la conférence de Bamako des 29 et 30 décembre 1958, les représentants du Sénégal, dont Maître Boubacar Gueye et Maître Doudou Thiam, du Soudan français, actuel Mali,
de la Haute-Volta, devenue Burkina Faso, et du Dahomey, désormais appelé Bénin, écrivent l'acte de naissance de la nouvelle entité. Le 14 janvier 1959, Lamine Gueye, sénateur de la 4e République française et maire de Dakar, prononce le discours d'ouverture de l'Assemblée constituante de la Fédération du Mali. La constitution, rédigée et présentée par Doudou Thiam, est approuvée à l'unanimité. Deux avocats deviennent ministres dans le gouvernement de la Fédération. Maître Boubacar Gueye est nommé à la justice, Maître Doudou Thiam aux finances, affaires économiques et plans. Quant à Maître Valdio Ndiaye, il reste ministre de l'Intérieur dans le gouvernement du Sénégal, dirigé par Mamadou Dia, qui occupe également le poste de vice-président de la Fédération. Avant 1960, Maître Lamine Gueye, devenu un homme politique de renom, occupe le devant de la scène avec ses confrères avocats. Et s'il existe de nombreux documents consacrés à sa vie politique, peu mettent en lumière sa carrière d'avocat. Pourtant, dès ses débuts à la barre, il se distingue dans de grands dossiers. Dans le procès qui a opposé les mairies du Sénégal dans les années 1920, au début des années 1920, contre les maisons de commerce bordelaises et marseillaises, qui étaient en train de préparer un mauvais coup contre ces mairies, parce que, considérant qu'elles avaient été évincées de la vie politique, alors qu'elles disaient que c'était eux qui avaient apporté dans ce pays tous les éléments de la civilisation, c'était eux qui l'avaient rentabilisé et qui en avaient fait une colonie prospère. Maintenant, les gens les rejettent au nom du simple fait qu'ils avaient la peau noire. Les gens avaient dit qu'il faut mettre un terme à cela, et pour mettre un terme à cela, il n'y a qu'une seule solution, c'est de supprimer les quatre communes. On avait été chercher un député français qui s'appelait Valude. On lui avait demandé d'introduire une proposition de loi qui permettrait de supprimer les quatre communes au niveau du Sénégal. Valude avait déposé la proposition de loi sur le bureau de l'Assemblée nationale. Et c'est en s'appuyant sur cela que Vézia, qui était un membre de la franc-maçonnerie à laquelle appartenait Blaise Diagne, a proposé une rencontre entre les maisons de commerce bordelaises et marseillaises et Blaise Diagne à Bordeaux. Cette rencontre, ce qui a donné ce qu'on appelait le pacte de Bordeaux, c'est-à-dire un pacte au terme duquel Blaise Diagne s'engageait à ne pas éliminer les Blancs, à leur permettre de jouer un rôle dans les instances de décision et de pouvoir, en veillant à ce que dans chaque liste électorale, pour chaque élection, il y ait des quotas qui soient réservés aux Blancs. N'est-ce pas? Alors, Blaise Diagne, dans ce combat-là, Lamine Gueye a eu à se battre aux côtés des communes de Dakar, de Saint-Louis, de Gorée et de Fisk et de Saint-Louis, et de Dakar, pardon, pour que ces maisons de commerce ne soient pas atteintes par les intrigues des maisons de commerce bordelaises. Un autre dossier, moins connu mais important, est celui des terres Lébou. Il y a eu effectivement également les terres Lébou qui spoliaient dès 1906 environ par la France, mais un peu plus avant, lorsqu'il s'est agi d'implanter les camps militaires, d'étendre la capitale de Dakar aux zones qui étaient occupées par les Lébou, qui ont été expropriés de leurs terres. Ces différents Lébou ont appelé des avocats comme Lamine Gueye pour défendre leurs droits. Lamine Gueye les a défendus avec tout le brio que l'on lui connaissait. C'était des événements qui étaient importants à cette époque-là et qui étaient suivis par toute la population, mais aussi par la presse locale, et qui avaient contribué à asseoir le prestige de Lamine Gueye, son aura, n'est-ce pas, son charisme, ainsi que ses fonctions vraiment de leader incontesté de la classe politique et intellectuelle sénégalaise à cette époque-là. La constitution de Maître Lamine Gueye en faveur des victimes du massacre du camp de Tiaroy perpétré par l'armée française en 1944, quelques années avant les événements de Madagascar, reste un des moments forts de sa carrière. Pendant les événements de Tiaroy 1944, après la fusillade qui a eu comme conséquence près de 70 morts et de nombreuses victimes, une grande émotion s'est saisie de l'opinion à un point tel que l'administration coloniale a été obligée de faire appel au chef religieux pour tenter de calmer la révolte en gestation des populations. Et lors de leur procès, il a fait preuve d'une éloquence tout à fait exceptionnelle. Il les a défendus avec un brio qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer, n'est-ce pas? Et enfin, non, ça n'a pas servi à grand-chose parce que la France cherchait en ce moment-là des exemples et la France ne pouvait pas se permettre de lésiner sur les moyens.
Tout le monde sait que pendant les événements de Madagascar de 1947, Blaise Labinié, encore une fois, s'est investi pour défendre les patriotes malgaches contre l'injustice dont ils avaient été l'objet. Lamine Gueye, en tant qu'avocat, a également défendu un marabout, Cheikh Anta Mbake, accusé d'avoir voulu soustraire des Sénégalais à l'autorité de la France. Un commerçant, El Hadj Magadba, accusé de vendre des produits à des prix illicites. Maître Amadou Diop, un huissier accusé de trahison durant la Seconde Guerre mondiale. Et plusieurs autres personnes, dont le célèbre député Galandou Diouf. Une autre facette de Maître Lamine Gueye se révèle lors de son passage à la mairie de Dakar. Dès 1945, sa position lui permet d'octroyer des bourses d'études aux Sénégalais. C'est à partir de 1945, surtout, avec l'avènement de Maître Lamine Gueye en tant que maire de Dakar, qui a donné beaucoup de bourses à ses étudiants, qu'on a commencé à voir des gens s'intéresser à l'avocature. Parce qu'au début, la bourse n'était pas donnée à ceux-là qui voulaient faire des études en droit. Pourquoi on ne voulait pas leur donner des bourses? Parce qu'on disait qu'une fois qu'on leur donne la bourse, qu'ils réussissent en droit, qu'ils deviennent avocats défenseurs, et on sait que l'avocat, en vérité, ce qui fait sa particularité, c'est quelqu'un de libre. Il est jaloux de son indépendance, difficile de le contrôler, et donc, devenir avocat défenseur ou devenir avocat, il pouvait s'ériger en une limite ou en un frein pour l'entreprise coloniale. Les bourses offertes par la mairie de Dakar donnent aux Sénégalais la possibilité d'étudier le droit et de devenir avocat. Entre 1947, année de l'inscription de Maître Babacar Sey, et 1960, année de la création du barreau, une quinzaine de Sénégalais, dont plusieurs boursiers de la mairie, embrassent la profession. Entre 1949 et 1953, arrivent notamment Sidi Karachi Diagne, Fadilou Diop, Doudou Thiam, Boubacar Gueye, Malik Dion, Valdiodio Ndiaye, Omar Diop et Ogo Gueye. Puis, de 1955 à 1960, la profession enregistre l'arrivée, entre autres, de Mustapha Seck, Khar Nofen Diouf, Abdourahman Diop, Lamine Sall, Amadou Diop Di Tierno ou encore Mustapha Wade et son jeune frère Abdoulaye Wade, futur président de la République du Sénégal. Il y a également un certain Ibrahima Gueye, dit Iba Gueye, le fils de Maître Lamine Gueye. C'est le début d'une sorte de sénégalisation du barreau où, depuis 1922, les Français sont largement majoritaires. Après le décès en 1957 de Maître Germain Crespin, le doyen des avocats est le Français Étienne Reiss, installé à Dakar en 1922. Parmi les anciens, il y a également le Martiniquais Roland-Julien Caffier, basé à Saint-Louis depuis 1923, et Paul Bonifay, compagnon de Maître Lamine Gueye et adjoint à la mairie de Dakar, établi en 1933. En 1958, dans un article publié dans le journal Le Barreau de France, le président de la section dakaroise de l'ANA, Association nationale des avocats inscrits au Barreau de France et de la communauté française, Maître Alain Crespin, écrit que Dakar, qui comptait 26 avocats défenseurs en 1953, en compte désormais 41, auxquels s'ajoutent 6 secrétaires d'avocats défenseurs, c'est-à-dire avocats stagiaires. Il y a 9 femmes et 9 Africains. Les Sénégalais installés à Saint-Louis et Kaolack ne figurent pas dans le décompte. L'octroi de bourses d'études aux Sénégalais à partir de 1945 et la création de l'école de droit de Dakar en 1950 ont contribué à l'émergence de nouvelles générations d'avocats. C'est le recteur Jean Capel qui venait de Nancy qui aura été à l'origine de la création de cet institut des hautes études de Dakar, à l'intérieur duquel institut, eh bien, l'école de droit de Dakar verra le jour. Alors, l'inauguration a vu la participation d'un certain nombre de personnalités, dont le futur président de la République du Sénégal, alors député du Sénégal en France, Léopold Sédar Senghor. Cet institut des hautes études de Dakar comprenait une école de droit, une école de médecine, des lettres et sciences. Et donc, il faut relever que c'est le 6 avril 1950 que cet institut des hautes études de Dakar a été créé par décret. Et c'est en son sein que, justement, cette école de Dakar, de droit de Dakar a vu le jour, avec à l'origine très peu d'étudiants, puisque en licence, on a noté qu'il y en a eu seulement 24. Mais il s'agit non seulement
des Sénégalais, mais des étudiants provenant des autres territoires de l'ancienne Afrique occidentale française. Ça a eu un impact considérable. La possibilité offerte aux jeunes gens, aux jeunes cadres sénégalais de faire les études dans le droit leur a donné immédiatement des possibilités de carrière tout à fait exceptionnelles. Et c'est ainsi que beaucoup d'entre eux se sont orientés vers cette filière. La faculté de droit était l'une des plus fréquentées à cette époque-là. D'autant que d'ailleurs les autorités coloniales, pendant quelques ne souhaitaient pas orienter les Sénégalais vers les filières scientifiques comme les mathématiques, la chimie, la physique, etc. Mais certains aussi ne souhaitaient pas les orienter vers les filières judiciaires ou législatives parce qu'ils savaient très bien que cela allait entretenir un état d'esprit de contestation. Maître Samir Kabaz, nommé secrétaire d'avocat défenseur en 1959, a fréquenté l'école de droit de Dakar. La partie sénégalaise n'était pas si importante que ça. On était, je ne vais pas me tromper, mais on était une quinzaine, pas plus. Il faut reconnaître qu'on avait d'excellents professeurs français. Forcément, on n'était pas nombreux. Alors donc, on était chouchoutés, on était choyés, et ces profs en question étaient remarquables. On n'a pas eu à se plaindre loin de là de leur enseignement, parce qu'ils étaient, comme je l'ai dit, très compétents, très en mesure de nous donner quand même, de nous inculquer des valeurs de première qualité, des valeurs humaines avant tout. Personnellement, j'ai été formé par un prof de droit, Michel Alliot, et on s'attache à des personnages qui sont capables de vous insuffler leur science. Bourse d'études pour la France, ouverture de l'école de droit, puis de l'université de Dakar. Voilà qui donne un coup de pouce aux Sénégalais, et ce, malgré des réticences de l'autorité coloniale. Babacar Sey et Doudou Thiam, deux avocats restés dans l'histoire du Sénégal, ont failli ne jamais poursuivre leurs études en France. Les autorités coloniales ne voulaient pas que les Sénégalais apprennent le droit. Et ils avaient bloqué un peu les bourses, ce qui fait que mon père, je pense, a choisi de s'écarter un peu de ce que ses amis faisaient, la médecine, surtout la médecine vétérinaire. Et il a insisté pour faire du droit. Et il a demandé une bourse, et puis il attendait de savoir la suite qui serait donnée à sa bourse, à sa demande de bourse. Et un jour, il a rencontré quelqu'un qui travaillait au bureau de l'administrateur colonial qui s'occupait de ça, et qui lui dit, mais enfin, Doudou, qu'est-ce que tu fais ici à Dakar ? Il dit, mais moi j'attends, il répond, j'attends que une réponse à ma demande de bourse. Et le monsieur de lui dire, mais en fait, ta bourse est arrivée. Elle t'est accordée à toi ainsi qu'à Babacar Sey à l'époque, celui qui est devenu maître Babacar Sey. Et les bourses vous ont été accordées. Il faut aller voir l'administrateur colonial et lui dire que tu sais que les bourses sont arrivées, les bourses sont arrivées et que les papiers se trouvent dans tel tiroir de son bureau. Ce que mon père a fait, et donc l'administrateur colonial a été obligé de lui remettre sa bourse, ainsi qu'à maître Babacar Sey, enfin monsieur Babacar Sey à l'époque. Ils sont partis, ils ont pris le même bateau ensemble pour Montpellier, où ils ont commencé leur première année de droit. Apprendre le droit durant la colonisation est difficile. Devenir avocat l'est autant. L'entrée au barreau dépend des cours d'appel de Dakar et d'Abidjan qui examinent scrupuleusement les parcours des postulants et les conclusions des enquêtes de police. J'ai été nommée avocate en 1956, mais à l'époque on ne nous appelait pas avocat. On avait le titre de secrétaire d'avocat lorsqu'on était stagiaire, ensuite le titre d'avocat défenseur lorsqu'on devenait avocat. Comment cela se passait-il ? Eh bien, c'est bien simple. À l'époque, en 1956, nous étions sous la UEF. Par conséquent, nous n'étions pas instaurés ni institués en ordre des avocats.
nous devions présenter notre demande avec le maître de stage qui allait être notre maître de stage, l'avocat, qui va être désigné. Nous devions présenter cela au procureur général. Le procureur général, à ce moment-là, faisait procéder à une enquête de moralité auprès des services de la Sûreté nationale, qui était la Sûreté du Sénégal. Ensuite, lorsque l'enquête de moralité était terminée, il faisait son rapport, ou son substitut, enfin, s'il désignait quelqu'un d'autre, faisait le rapport et l'adressait, ainsi que l'enquête de moralité, à la Cour d'appel de Dakar et à la Cour d'appel d'Abidjan. Et chacune des cours devait émettre son avis. Si l'avis des deux cours était favorable, le dossier était retourné au parquet général et qui, par l'entremise de son greffe, adressait le tout avec un projet d'arrêté au haut commissaire de la OEF, et c'est là-bas qu'était pris l'arrêté nous désignons. À cette époque, un rapport de police défavorable peut empêcher ou retarder l'admission. En 1952, le cas d'Omar Diop, membre actif du RDA, Rassemblement démocratique africain, illustre parfaitement cette situation. Soutenu entre autres par Maître Babacar Sey et la Ligue française des droits de l'homme et du citoyen, il est finalement nommé avocat défenseur en 1953, après avoir essuyé un refus de la Cour d'appel d'Abidjan. On ignore toutefois si ses soutiens ont influencé la décision des autorités. Que ce soit dans la métropole ou au Sénégal, les avocats postulants ou confirmés sont soumis à une surveillance étroite. En 1958, Maître Abdoulaye Wade, qui exerce en France depuis 1955, a droit à un rapport détaillé. Sa proximité avec des Algériens suscite la méfiance. À l'université, j'avais des amis algériens. Mon meilleur ami était algérien. Et le FLN s'était déployé en France et avait découpé la France en quartiers, je ne sais pas, avec les responsables. Et mon ami, là, était le responsable de Besançon. Un matin, la police débarque dans un dortoir occupé par des Algériens. Il les a pris, ils étaient 39, tous arrêtés, ce qui a permis aux journalistes de faire des photos, surtout des barbus, en les connaissant comme les chefs du FLN, et de mettre dans les journaux le réseau FLN du Loup démantelé. Alors, de ce jour, j'ai fait partie de ce qu'on appelle le collectif des défenseurs du FLN. Contrairement à Maître Omar Diop, Abdoulaye Wade est nommé avocat défenseur à Dakar, sans difficulté, le 8 mai 1958. À cette date, il n'existe pas de barreau officiellement reconnu et constitué. Cependant, des documents conservés par la famille Crespin révèlent l'existence d'une section dakaroise de l'ANA, Association nationale des avocats inscrits au barreau de France et de la communauté française, fondée en France en 1921 à l'initiative de Maître Jean Ableton, considéré comme anticolonialiste. Cette section dakaroise, créée, semble-t-il, en 1955, est présidée par le Saint-Louisien Alain Crespin, fils de Germain Crespin et petit-fils de Jean-Jacques Crespin. Maître Édouard Monville, d'origine antillaise, en est le secrétaire général. Des correspondances au procureur général près la cour d'appel de Dakar, ou encore au président du Grand Conseil de l'AOF, et des coupures de presse datant de la fin des années 1950, indiquent que cette association porte la parole des avocats et s'intéresse à leur vie. L'affectation des locaux dans le nouveau palais de justice, inauguré le 21 décembre 1958, l'arrivée de stagiaires dont Mokhtar Ouldada, futur président de la République islamique de Mauritanie, et Mademoiselle Issa Sayeg, doyenne de l'Ordre des avocats du Sénégal en 2015, y sont mentionnés. Idem pour la Légion d'honneur attribuée à Maître Lamine Gueye ou encore la nécessité de constituer un véritable barreau, comme il en existe en Tunisie et à Madagascar, respectivement depuis 1927 et 1937. Dans ces documents, on apprend qu'au Sénégal, la requête avait été faite dès 1947 par les anciens, semble-t-il. Dans une lettre datée du 19 février 1957 et adressée à Maître Alain Crespin,
Nommé procureur général près la Cour suprême après l'indépendance, Maître Marcel Raymond, le président de l'ANA, mentionne la possibilité de recevoir un décret concernant la création du barreau du Sénégal comme cadeau pour la fête de Pâques. Cadeau que l'administration coloniale ne fera jamais. Finalement, le barreau est créé par ordonnance le 3 septembre 1960, 14 jours après la proclamation de l'indépendance et 4 jours avant la formation du premier gouvernement de la Nouvelle République. À ce jour, rien ne permet de dire quel a été le rôle de la section sénégalaise de l'ANA dans la création du barreau en 1960. En revanche, les grands avocats et hommes politiques de la période pré-indépendante y sont sans aucun doute pour quelque chose. Ce qui a surtout facilité la mise en place d'un barreau sénégalais, c'est qu'il faut le reconnaître, les avocats ont été déterminants dans le processus de mise en place de l'État du Sénégal. Ils ont joué un rôle extrêmement important parce que la mise en état d'un État plutôt, c'est d'abord la préparation de textes, c'est la création d'un droit positif, c'est un ensemble d'instruments juridiques qu'il faut mettre en place. Et les mieux placés à l'époque, c'était naturellement les avocats, qui quand même il y en avait parmi eux, qui se distinguaient de façon remarquable au Sénégal. J'ai cité Maître Doudou Thiam, j'ai cité Maître Wadjo Ndiaye, j'ai cité également Maître Moustapha Seck, j'ai cité également Maître Khandoufen Diouf à l'époque, quand même c'était des Maître Oumar Diop, c'était des avocats remarquables. Le 3 septembre 1960, l'ordonnance numéro 60-309 crée le barreau du Sénégal. Le premier bâtonnier est le français Maître Pierre Génie. Le barreau compte alors une cinquantaine de membres. Vous aviez déjà au tableau Maître Lamine Gueye, que j'ai connu, qui était bien pris dans la politique et avait des postes importants, ne venait plus exercer, si vous voulez. Mais je l'ai vu revêtir la robe un jour et venir plaider. Ça m'a fait plaisir parce que tout enfant, j'entendais parler beaucoup de lui et cela m'a fait plaisir de le voir ce jour-là. Il y avait Maître Doudou Thiam, Maître Valdiodio, Maître Boissier-Palin, Maître Guillabert qui a été mon patron de stage. Il y avait Maître Ogokan Diallo, Maître Ogogay qui est venu bien après, mais qui était là quand même, il est venu vers 60. Maître Boubacar Gueye que j'avais oublié, qui pourtant a marqué le barreau. Maître Babacar Sey, Maître Malik John, Maître Tcherno Diop qui a prêté serment en 56. Il y avait également Abdourahmane Diop, il y avait Darboussier, il y avait une pléiade d'avocats sénégalais, d'origine sénégalaise en tout cas. Dans le deuxième épisode de cette série consacrée à l'histoire du barreau du Sénégal, nous reviendrons sur l'évolution de ce barreau durant les 24 années qui suivent l'indépendance. Comment, entre 1960 et 1984, année du vote de la loi 8409 du 4 janvier 1984 portant création de l'Ordre des avocats du Sénégal, les avocats du barreau et leurs confrères, engagés en politique ou nommés à de hautes fonctions au sein de l'État, contribuent-ils à la modernisation de la profession, à la consolidation de la démocratie et au rayonnement du Sénégal ? C'est ce que nous verrons.